C'est l'heure des questions orales. Député de Brampton Centre. Bonjour, Président. Question pour le Premier ministre. Les experts de la santé ont confirmé qu'il y a encore des cas du variant Omicron ici en Ontario et 4 unités de santé publique ont imposé de nouvelles restrictions pour empêcher la propagation de ce variant dans la communauté. Le gouvernement a promis d'utiliser chaque outil pour freiner la propagation de ce virus, mais cela ne s'est pas fait. Il faut meilleur traçage, meilleur dépistage, meilleur isolement des cas. Le gouvernement doit également aider les travailleurs de la santé et de l'éducation pour que les écoles, les hôpitaux soient plus sécuritaires pour les patients, pour le personnel, pour les enfants. Pourquoi pas avoir des vaccinations obligatoires pour les travailleurs de la santé et de l'éducation? Première ministre adjointe, ministre de la Santé, merci à la députée. Nous avons adopté des mesures. Nous travaillons avec le gouvernement fédéral pour éviter les déplacements ou les visiteurs arrivant des pays du sud de l'Afrique. Nous demandons également au gouvernement d'avoir du dépistage pour toute personne qui arrive au Canada, quel que soit leur point d'origine, parce que nous savons qu'il y a eu déjà propagation. Mais nous sommes prêts pour tout ce qui peut arriver. Nous avons une stratégie de dépistage robuste. Nous avons élargi le nombre de sites. Nous avons 230 centres d'évaluation et nous avons plus de 500 pharmacies et il y en aura plus. Et nous avons également du personnel sur le terrain pour la gestion des cas. Il y a 375 personnes qui ont été identifiées comme ayant visité ces pays du sud de l'Afrique depuis 14 jours. Et nous allons faire un suivi avec ces personnes pour faire le séquençage des gènes pour savoir de quoi il s'agit, que ce soit Omicron ou une autre variété. Donc nous sommes prêts pour tout ce qui peut arriver. Question complémentaire. Merci, Président. Ce que nous avons appris de cette pandémie, c'est qu'être prudent a aidé à faire propager le virus. Le gouvernement doit adopter un plan pour que les congés maladie payés soient permanents. Ça donnerait de la sécurité aux travailleurs, par exemple à Brampton, les travailleurs de santé. Si quelqu'un tombe malade, le gouvernement va les aider. Et la plupart des experts ont appelé à des congés maladie permanents payés. Pourquoi est-ce que le gouvernement ne veut pas faire ce qu'il faut pour que les travailleurs de cette province aient des congés maladie payés avant la fin de la prolongation bientôt? Leaders parlementaires du gouvernement, le gouvernement, le Premier ministre ont toujours fait preuve de prévoyance. Nous soutenons les travailleurs de première ligne. C'est pourquoi le Premier ministre a négocié plus d'un milliard de dollars pour aider les Ontariens et les travailleurs. Nous savons qu'il est très important de continuer de soutenir les travailleurs de première ligne. C'est pour ça qu'il y a toujours un programme pour ces travailleurs et nous allons toujours être là pour aider ces travailleurs en essayant de faire face à cette pandémie. Il reste beaucoup de travail à faire. Nous sommes bien partis. Et en fait, nous faisons bien des choses parce que 90% de la population qui a double vaccination et beaucoup de personnes qui se sont inscrites pour se faire vacciner et c'est grâce au dur travail des Ontariens. Dernière question complémentaire. Merci. En plus d'éliminer les congés payés, le gouvernement va arrêter l'utilisation du certificat de vaccination qui est utilisé pour soutenir les entreprises. Ça va se terminer le 17 janvier parce que le gouvernement ne prend pas au sérieux la quatrième vague et le nouveau variant. Président, les services de réanimation se remplissent. Il y a des unités de santé publique qui imposent de nouvelles restrictions et des milliers d'Ontariens ont perdu la vie à cause de la COVID-19. Les gens ont déjà assez souffert. La dernière chose qu'il nous faut dans la province, c'est un autre confinement. Nous pouvons éviter cela. Pourquoi est-ce que le gouvernement va éliminer l'utilisation des certificats lorsque nous pouvons nous en servir pour éviter un nouveau confinement? Ministre de la Santé, merci à le député pour la question. Alors, la perte de n'importe quelle vie, de même une vie, c'est toujours une...
une catastrophe. Nos condoléances à tous ceux qui ont perdu des êtres chers, mais nous sommes prêts. Nous prenons très au sérieux la situation. Nous avons des analyses pour identifier le séquençage génétique de ce variant. Et notre chef médecin hygiéniste était très clair que les mesures adoptées sont suffisantes pour le moment. Et s'il y a une modification, un changement dans la situation, on va décider quelles sont les mesures qui sont nécessaires. Mais le Dr Moore a dit que s'il devait y avoir un changement de situation, il faudrait peut-être modifier notre plan. Mais pour le moment, nous avons les précautions suffisantes. Mais s'il faut changer, nous le ferons pour défendre la sécurité et la santé de tous les Ontariens. Question député de Brampton Centre. Encore une fois, pour le Premier ministre. Le Premier ministre sait que 15 dollars l'heure, ce n'est pas suffisant. La semaine dernière, il a dit, je cite, bon, vous savez, c'est un salaire de débutant, difficile de survivre pour n'importe qui avec 15 dollars. Fin de citation. Ces politiques n'aident pas. Les Ontariens savent qu'il est de plus en plus difficile de joindre les deux bouts. Le logement, ça coûte plus cher. Puis l'électricité, l'essence, l'assurance, ça coûte plus cher. Et les banques alimentaires sont les plus sollicitées depuis 2009 parce que les gens ont du mal à nourrir leur famille. Ce n'est pas nécessaire. Est-ce que le Premier ministre veut bien soutenir l'augmentation du salaire minimum à 20 dollars d'ici 2026? Leader parlementaire du gouvernement. Monsieur le Président, il est difficile de comprendre la position du NPD. Chaque jour, il change d'avis en ce qui concerne cette disposition. Lorsque nous avons annoncé cette mesure, je me rappelle que le NPD présentait des pétitions demandant un salaire minimum à 15 dollars de l'heure. Donc, ce que nous avons fait, Monsieur le Président, c'est que nous avons veillé à rendre de l'économie une économie forte avec un salaire minimum à 15 dollars de l'heure. 300 000 emplois manufacturiers se sont échappés de l'Ontario. Le ministre de l'Éducation a parlé des augmentations. Il y avait tant d'éléments décourageants à cause du gouvernement précédent et nous avons dû réagir prestement. L'économie va recommencer à s'épanouir et à croître comme jamais auparavant. Il est important de dénoter que le salaire minimum serait au-dessus de 15 dollars de l'heure si le gouvernement n'avait pas annulé cette augmentation en 2018. Cependant, le gouvernement a mis un gel sur le salaire minimum et l'a maintenu en deçà du taux nécessaire. Le Premier ministre l'a dit lui-même, il est impossible de joindre les deux bouts avec un salaire de 15 dollars de l'heure. Pourquoi force-t-il les Ontariens à vivre avec un tel salaire? Les Ontariens ne devraient pas avoir à aller aux banques alimentaires pour survivre. Le Premier ministre fera-t-il le bon choix et acceptera-t-il de soutenir une augmentation croissante du salaire minimum? Réponse. Le leader parlementaire du gouvernement, il y a tant d'éléments dans cette question. L'économie change et voilà pourquoi nous avons mis en application cette mesure. Et tout ceci est grâce au Premier ministre. Le NPD aurait pu voter en faveur de cette disposition. Ils auraient pu voter en faveur de la réduction des taxes, impôts. Le NPD a décidé de voter contre nos propositions. Ils auraient pu voter pour les propositions du ministre du Travail et le NPD a voté contre. Il s'agissait de mesures créant des milliers d'emplois avec des salaires élevés, mais le NPD a voté contre. Ils auraient pu voter pour les mesures pour les soins de garderie. Le NPD a voté contre. L'abordabilité, l'accès sont très importants pour nous. Question complémentaire finale. Monsieur le Président,
Un travailleur peut être en train de nettoyer un hôpital, peut être en train de renflouer les rayons d'un magasin. Ce sont des travailleurs essentiels qui méritent un bon salaire. 15 $ de l'heure, ça ne suffit pas. Et si vous voulez démontrer votre respect envers ces travailleurs, il ne suffit pas que de dire merci lors d'une conférence de presse. Il faut augmenter le salaire minimum. Et tout le monde ressent la tension aujourd'hui. Il faut permettre aux travailleurs de pouvoir joindre les deux bouts. Est-ce que le Premier ministre fera le bon choix et soutiendra notre plan qui respecte les travailleurs en mettant en œuvre une augmentation à 20 $ de l'heure du salaire minimum? Réponse. J'aimerais remercier la députée de l'autre côté de la Chambre. J'aimerais rappeler aux Ontariens que sous le mandat des libéraux avec le NPD, nous avons perdu 300 000 emplois en Ontario. Il s'agit de 300 000 personnes qui ne pouvaient pas payer leur loyer, qui ne pouvaient pas joindre les deux bouts à cause des politiques du gouvernement précédent. Nous avons adopté une approche différente. Nous voulons créer un environnement où les entreprises peuvent s'épanouir. Et nous avons vu que des milliers de personnes ont trouvé un emploi leur permettant de se payer une maison, de se payer des aliments. Les libéraux, pendant 15 ans, ont marqué le pas. Les libéraux ont toujours voulu que les Ontariens se fassent traiter comme des enfants par le gouvernement. Nous n'y croyons pas. Question la députée de Davenport. Merci, Monsieur le Président. J'ai une question pour le Premier ministre. On en a demandé beaucoup aux Ontariens pendant la pandémie. Les Ontariens, partout dans la province, ont fait d'énormes sacrifices pour pouvoir permettre à l'économie d'avancer et pour maintenir la sécurité de tout un chacun. Je me souviens que le gouvernement, le Premier ministre plutôt, a dit qu'il ferait tout ce qu'il peut pour protéger les Ontariens et l'économie. Imaginez à quel point les Ontariens ont été choqués lorsqu'ils ont appris que lors des deux premiers trimestres de cette année, le gouvernement a dépensé 4,3 milliards de dollars en moins de ce qui était planifié. Comment le Premier ministre peut-il justifier un tel manque de dépenses alors que nous vivons une récupération de pandémique? Réponse. Merci, Monsieur le Président. Depuis le début de la pandémie, le gouvernement s'engage à faire bon usage de nos capacités fiscales. Le budget l'a bien indiqué. Nous avons dépensé 19,1 milliards de dollars en réponse à la COVID-19. Ceci a représenté l'augmentation annuelle la plus importante de l'histoire de notre province. De surcroît, notre gouvernement investit de plus en plus dans les infrastructures sanitaires. Nous appuyons les investissements, et ceci a été révélé le mois dernier dans le cadre de l'énoncé économique. Réponse. Nous voulons donc accroître et consolider nos investissements dans le système de la santé partout dans la province. Question. Vous parlez quoi? De capacité fiscale? Je me demande si le ministre comprend à quel point nous vivons une situation sérieuse. Il faut maintenir une propagation aussi basse que possible. Le gouvernement a fait des coupures de millions de dollars, de 600 millions de dollars, alors que les parents demandaient une rentrée scolaire plus sécuritaire. Le gouvernement a dépensé 7 millions de moins. Ensuite, le gouvernement a dépensé pour pouvoir permettre à ses petits amis de paver des secteurs de la ceinture de verdure. Pourquoi le Premier ministre retient des fonds alors que la province en a besoin? Le président du Conseil du Trésor, merci. Merci, Monsieur le Président. Les budgets se fondent sur des données. Le rapport de la
du bureau de la responsabilité financière ne prend pas en compte tous les éléments. Nous nous engageons à dépenser. Il s'agit des dépenses les plus importantes de l'histoire de notre province. Nous allons appuyer les hôpitaux, le secteur de l'éducation. Nous avons dépensé 16 milliards de dollars l'année passée. Il s'agit de la dépense la plus importante en comparatif annuel. Nous avons investi dans la santé mentale. Nous avons investi pour ouvrir 30 000 places dans les soins de longue durée. Ceci fait partie de notre réponse à la pandémie et nous allons continuer de nourrir notre force fiscale en Ontario. Merci, Monsieur le Président. Question, la députée de Halliburton, Port Elizabeth. Ma question s'adresse au ministre des Collèges et des Universités. La pandémie de la COVID-19 a mis en lumière l'importance des travailleurs de première ligne. Nous n'avons pas assez d'infirmières ici en Ontario. Ceci, combiné au vieillissement de la population, crée une situation d'urgence et il faut pallier aux pénuries. Monsieur le Président, la ministre peut-elle nous expliquer quelles initiatives elle a entreprises pour pallier ces problèmes? S'engage-t-elle à créer plus d'ouvertures, plus de places de programmes de formation d'infirmières d'ici à 2022? Réponse, merci. J'aimerais remercier la collègue pour sa question. La pandémie de la COVID-19 nous a démontré à quel point les infirmières sont critiques dans notre système de santé. Notre gouvernement s'est engagé à pallier la pénurie de main-d'œuvre. Nous avons collaboré avec les collèges et les universités pour créer des programmes de formation d'excellence en soins infirmiers. Notre gouvernement a dit oui à des programmes de 4 ans dans plusieurs collèges comme l'Université de York. Ceci s'ajoute aux 16 universités et aux 23 collèges qui offrent des programmes de baccalauréat en soins infirmiers en permettant à des collèges et des universités d'avoir des programmes. Nous pouvons offrir une éducation de qualité tout en palliant les manques en Ontario. Ceci permettra aux étudiants d'avoir un meilleur choix et une plus grande gamme de choix en éducation de soins infirmiers. Question complémentaire. Merci, Monsieur le Président. Merci, Madame la Ministre. Je suis ravie de voir que le gouvernement agit pour pallier la pénurie de main-d'œuvre infirmière. Lorsqu'un problème est aussi important, il faut aussi se rappeler que le problème est différent d'une région à l'autre. Les communautés de l'Ontario ont des besoins différents selon la géographie. Très souvent, lorsqu'une étudiante veut étudier en soins infirmiers, il n'existe pas de choix académiques locaux. Ceci est donc problématique. Ma question est la suivante. La ministre peut-elle expliquer ce qu'elle a fait pour s'atteler aux problèmes régionaux? Qu'a-t-elle fait pour que les étudiants puissent avoir accès à des formations locales proches de leur localité? Réponse. Je suis fière de dire que notre gouvernement sait qu'il faut s'atteler à ce problème sur un plan géographique et régional. Notre gouvernement est là pour les étudiants et nous avons travaillé dur afin d'augmenter la gamme de choix pour les étudiants. Les étudiants de petites villes et de grandes villes devraient avoir accès aux mêmes occasions d'avancement en éducation postsecondaire. Voilà pourquoi nous avons annoncé plusieurs nouveaux programmes à Georgia College, St. Lawrence, Seneca. Ceci s'ajoute aux 36 programmes de soins infirmiers partout en Ontario. En offrant des programmes à Belleville, Barrie, Owen Sound, Kingston, nous permettons aux étudiants d'avoir accès à plusieurs endroits. Les infirmières travaillent dur pour offrir d'excellents services partout en Ontario et nous leur devons cela. Merci. Ma question s'adresse au Premier ministre. Les enfants et les parents partout en Ontario
sont aujourd'hui habitués au discours contradictoire sur l'autisme que tient le gouvernement. Rappel à l'ordre. Les enfants et les parents sont habitués au discours contradictoire que tient le gouvernement sur les programmes d'autisme. Le gouvernement indique qu'il mettra en œuvre des programmes, mais fait augmenter les listes d'attente à 50 000. Le gouvernement dit qu'il veut établir un étalon or, mais ne le fait pas. Les parents vous le diront. Rien n'est fait. Le gouvernement dit qu'il multipliera par deux le financement. Cependant, le rapport qui est paru hier a indiqué qu'il a dépensé des millions de dollars en moins de ce qui était prévu. Il y a des enfants qui attendent des thérapies depuis 1 000 jours. Il y a des parents qui se rendent compte que le gouvernement ne cesse de sous-financer les programmes d'autisme. Le Premier ministre peut-il expliquer pourquoi il y a eu un sous-financement de l'autisme tel que vu dans le budget et ce qui sera fait pour rectifier la situation? La ministre des Enfants, des Familles et des Services sociaux, merci pour la question. Je suis heureuse de pouvoir répondre. Je vais vous établir les faits. Nous avons multiplié par deux le financement, passant de 300 millions de dollars à 600 millions de dollars. Il y a 5 fois plus d'enfants qui reçoivent des services aujourd'hui. 40 000 enfants reçoivent des services pour l'autisme, 5 fois plus qu'il y avait avant. Le gouvernement a promis un programme, le gouvernement précédent a promis un programme, mais n'a offert des services qu'à 25 000 enfants aujourd'hui, et en laissant 23 000 enfants de côté. Aujourd'hui, nous avons offert des invitations à ces 23 000 enfants. 11 000 invitations ont été faites pour avoir accès aux avantages sociaux pour les enfants. Il s'agit d'un continuum qui comprend des services de santé mentale qui n'avaient jamais été offerts. Ce sont des services pour la communauté. Merci. Question complémentaire. Ce n'est pas le cas. Le gouvernement a annoncé qu'ils enregistraient 8 000 enfants dans le programme. La liste d'attente est de 50 000 enfants, je vous le rappelle. Pourquoi la liste d'attente est-elle aussi longue? Eh bien, c'est à cause du manque d'agissement du gouvernement. Il y a des enfants qui attendent depuis 1 000 jours. Chaque jour est important pour ces enfants et chaque parent s'inquiète de l'avenir de ses enfants, surtout les parents qui voient que leur enfant ne bénéficie pas de soutien. Une dame attendant que son enfant puisse être enregistré demande: comment ceci peut-il être l'Ontario d'aujourd'hui? Comment faire cela à un enfant qui a des incapacités? Que dites-vous, Monsieur le Premier ministre, à Cynthia et son fils? La ministre. Merci, Monsieur le Président. Je suis heureuse de pouvoir clarifier ce qui est fait par la communauté de l'autisme pour la communauté de l'autisme. Nous voulons veiller à ce que les 50 000 enfants enregistrés reçoivent des services. 40 000 enfants des 50 000 enfants reçoivent déjà les services. En 2018, lorsque nous avons entamé notre mandat, il y avait des milliers d'enfants sur la liste. Seulement 8 000 enfants recevaient des soutiens. Notre gouvernement a affirmé qu'il fallait faire mieux. Aujourd'hui, 5 fois plus d'enfants reçoivent des services. Il s'agit d'une amélioration sans précédent. Nous offrons des services aux familles. Tous les enfants qui reçoivent un diagnostic d'autisme ont accès à des services financés. Nous avons offert un service d'intervention précoce permettant aux enfants de recevoir des services critiques en bas âge. Il s'agit d'un programme fondé sur les données scientifiques, d'un programme financé. Question. Le député de Chatham-Kent-Lymington, merci. Ma question s'adresse au ministre de la Santé.
À la ministre de la Santé, excusez-moi. Beaucoup d'employés seront renvoyés parce qu'ils ne veulent pas se faire vacciner. On leur refuse d'utiliser des tests antigéniques. Donc, ceci rend précaire leur situation et la situation de leur famille. C'est une question de choix. Le Premier ministre a dit que les obligations vaccinales ne seraient pas imposées. Cependant, les hôpitaux et les organisations imposent leur propre mandat vaccinal. Les gens perdent leur emploi. Personne ne peut m'expliquer ce qui a changé entre hier et aujourd'hui. Hier, il y avait des protocoles COVID. Les gens pouvaient aller pouvaient se rendre dans les restaurants, dans les arénas. Que se passe-t-il aujourd'hui? Nous sommes en train de créer des divisions dans la société. Est-ce que c'est ce que vous voulez? Réponse à la ministre de la Santé. J'aimerais remercier le député pour sa question. Ma réponse rapide est celle-ci. Nous sommes en pandémie. Nous devons sauver des vies. C'est ma responsabilité comme ministre de la Santé. C'est notre responsabilité comme gouvernement. Voilà pourquoi nous avons adopté ces mesures. Personne ne veut faire ce genre de choses, mais nous devons faire ces choses. Nous avons dû mettre en œuvre des mesures pour sauver des vies avant que le vaccin ne soit disponible. Maintenant que le vaccin est disponible, nous demandons à tous les Ontariens, notamment avec ce nouveau variant, de se faire vacciner. Il est très important que les Ontariens se fassent vacciner. Si vous n'avez pas pris votre rendez-vous, je vous exhorte de le faire. Si vous êtes prêt à recevoir votre dose de rappel, allez pour votre rendez-vous pour recevoir votre dose de rappel. Nous allons annoncer plus de renseignements cette semaine en ce qui concerne l'élargissement de l'admissibilité à la dose de rappel. En ce moment, les enfants de 5 à 11 ans peuvent se faire vacciner. Voilà comment nous pouvons éviter une propagation du virus et revenir à une vie normale. Merci. Question complémentaire à la ministre de la Santé. Le développement du vaccin est un processus qui prend des années et des années. Les produits de la COVID n'ont pas fait l'objet du même processus. Il n'y a pas de données sur le long terme. Ensuite, des rapports démontrent qu'il y a eu des décès et des blessures. La santé publique de l'Ontario a enregistré des milliers d'incidents causés par le vaccin ainsi que des incidents de myocardite. En ce moment, les enfants peuvent se faire vacciner, mais les enfants ont très peu de comorbidités, de risques de souffrir de la COVID-19. Quel élément rationnel vous pousse à faire vacciner les enfants, mis à part de dire que les vaccins sont sécuritaires? Réponse la ministre de la Santé. Ces vaccins sont sécuritaires. Je peux l'affirmer. Ces vaccins ont fait l'objet de processus de vérification extrêmement sévères. Aujourd'hui, nous avons les technologies nécessaires. Nous offrons le vaccin aux enfants. Nous savons que les parents ont encore des questions en ce qui concerne la vaccination des enfants de 5 à 11 ans. Voilà pourquoi nous avons mis à disposition des renseignements clairs. Nous savons qu'il existe des questions. Voilà pourquoi nous avons engagé un partenariat avec l'hôpital Sick Kids afin que les parents puissent appeler une ligne et poser des questions sur le vaccin. C'est très important. Un tiers des nouveaux cas de COVID-19 proviennent d'une propagation chez les enfants de 5 à 11 ans. Il est donc très important que les parents fassent vacciner les enfants pour protéger leurs enfants, les parents et la communauté. Je vous exhorte de faire vacciner vos enfants. Merci. Le député de Renfrew-Nipissing-Pembroke. Merci, Monsieur le Président. Cela fait une semaine que les enfants de 5 à 11 ans peuvent se faire vacciner en Ontario. Je sais que nombreux sont les parents qui ont pris un rendez-vous pour leurs enfants. Il y a des parents de ma circonscription qui avaient très hâte de pouvoir enregistrer leurs enfants. Le nombre de cas de COVID-19 augmente puisque c'est maintenant l'hiver. Je sais que les parents seront heureux d'ajouter une couche de protection. Est-ce que la ministre peut expliquer à la Chambre combien de parents ont pris un rendez-vous pour leur enfant et quand ces enfants recevront leur première dose de vaccin? Réponse. La ministre de la Santé, merci beaucoup pour la question.
question. Merci, Monsieur le Président. Je suis fière de notre taux de vaccination. Nous avons l'un des taux de vaccination les plus élevés dans le monde. Presque 90% de la population de 12 ans et plus a reçu sa première dose. Depuis mardi dernier, les enfants de 5 à 11 ans sont admissibles à la vaccination. Plus de 150 000 rendez-vous ont été pris et 86 000 enfants ont reçu une dose. Des bureaux de santé comme Toronto continuent d'ajouter des emplacements de vaccination dans les écoles et dans la communauté. Question complémentaire. Merci, Monsieur le Président. J'aimerais remercier la ministre de la Santé pour sa réponse. Nombreux sont les parents de ma circonscription qui sont heureux de voir leurs enfants pouvoir être vaccinés. Grâce à ce vaccin, les enfants pourront continuer à faire les activités qu'ils aiment, à l'école ou la fin de semaine. Plusieurs parents ont contacté mon bureau pour poser des questions sur la vaccination. Ils aimeraient avoir plus d'informations avant de prendre un rendez-vous pour leur enfant. La ministre peut-elle expliquer où ces renseignements se trouvent? Réponse, la ministre de la Santé. J'aimerais remercier le député pour sa question. Il s'agit d'un élément très important. Tout d'abord, j'aimerais dire que nous savons que les vaccins sont sûrs et les vaccins représentent un outil primordial pour lutter contre la COVID-19. Cependant, nous savons que les parents ont des questions. C'est normal d'avoir des questions sur le vaccin. Plusieurs parents m'ont également contacté. Je comprends qu'il est important d'offrir à ses enfants les meilleures options possibles. Voilà pourquoi il existe une ligne de confiance sur le vaccin contre la COVID-19. Les parents peuvent composer le 1-833-943-3900 ou aller sur le site web de COVID-19 Consult Service. Il est possible de prendre un rendez-vous avec un clinicien de l'hôpital Sick Kids pour poser des questions. Nous ne cessons d'avancer dans la voie de la protection contre la COVID-19. Merci. Question, la députée de University Rosedale. Merci, Monsieur le Président. J'ai une question pour la ministre de la Santé. En mars 2019, le gouvernement a coupé les financements donnés à l'organisation Kensington Market. Il s'agit d'une organisation pour la toxicomanie. Ceci a causé des conséquences. Récemment, deux personnes sont décédées dans le secteur du Kensington Market de surdose. Cette organisation offre des services. Cependant, sans les financements nécessaires, de plus en plus de personnes à Kensington ne sont pas en mesure d'avoir accès à des services. On parle de soins de santé mentale, de soins primaires, de sites d'injection supervisés, etc. J'ai une question donc pour la ministre de la Santé. Allez-vous ramener un financement adéquat à cette organisation? Le ministre associé de la santé mentale et de la toxicomanie, notre priorité était de créer un continuum de soins pour les Ontariens partout dans la province. Nous avons travaillé en partenariat avec la police. Nous avons investi pour faire construire des sites d'injection supervisés. Nous avons collaboré partout en Ontario. Nous avons investi 32 millions de dollars très récemment pour les soutiens aux personnes toxicomanes. Nous allons continuer de faire ces investissements dans le cadre d'un investissement de 3,8 milliards de dollars sur 10 ans. Nous avons déjà dépensé 500 millions de dollars en financement annuel pour les questions de santé mentale et d'accoutumance partout en Ontario. Question complémentaire. Question à la ministre de la Santé. Les décès enregistrés causés par les opioïdes ont augmenté de 79 %. Si vous êtes
itinérant, la surdose est la première cause de décès. Les gens dans ma circonscription meurent de surdose parce que ces personnes n'ont pas accès à des soutiens. Au lieu d'aider les communautés, le gouvernement a décidé de couper dans le financement aux logements et aux municipalités. La ville de Toronto a demandé 48 millions de dollars en financement afin de créer 2000 nouvelles unités de logements accessibles pour les itinérants. On parle de personnes qui n'ont pas de logement, des sans-abri. Madame la ministre, est-ce que votre gouvernement aidera Toronto à s'atteler à l'enjeu des personnes itinérantes en mettant sur pied plus de logements accessibles? Réponse. J'aimerais tout d'abord expliquer ce qu'est un continuum de soins. Il y a, oui, des soins d'accès, des points d'accès, des points de service, mais il y a également des services globalisants pour les personnes affectées. Voilà pourquoi nous adoptons une approche multisectorielle. Dans le cadre de l'investissement de plus de 500 millions de dollars, nous offrirons des services et nous continuerons à investir en partenariat avec le ministère du Logement. Nous voulons veiller à ce que les gens puissent sortir de leur traitement et puissent bénéficier de services globalisants, les aidant à réussir après leur traitement dans la vie. Nous continuons à investir. Nous jetons les bases et avons une feuille de route claire pour la mise en place de systèmes aidant les individus, qu'ils soient itinérants ou qu'ils soient des employés de la construction qui ont besoin d'aide en santé mentale. Merci. Question. La députée d'Ottawa-Vanier. Merci, Monsieur le Président. J'ai une question pour le Premier ministre. En 3 ans, ce gouvernement a produit 57 ordonnances ministérielles de zonage. Plusieurs fois, le gouvernement a utilisé ces ordonnances pour outrepasser les règlements environnementaux. Nous devrons. Le Parti conservateur utilise ces ordonnances afin de pouvoir empiéter sur des zones agricoles et forestières. Un rapport a établi que le gouvernement violait les droits des Ontariens en ne faisant pas de consultation sur les projets. Question. Le gouvernement pense-t-il qu'il a fait preuve de reddition de compte en ce qui concerne les ordonnances de zonage ministériel? Réponse. Le ministre des Affaires municipales. Merci, Monsieur le Président. On a dit non à bâtir des logements pour nos anciens combattants du côté de l'opposition. On a dit non à établir 47 lits en soins de longue durée dans sa région. Nous faisons face à des problèmes dans les foyers de soins de longue durée. C'est en raison des 15 ans où ce gouvernement libéral a dit non sous notre gouvernement. Nous, on dit oui pour les lits, pour les aînés, pour le transport en commun, Monsieur le Président. On dira oui aussi aux Ontariens et Ontariennes. Complémentaire. Monsieur le Président, selon les données disponibles, l'utilisation d'arrêtés de zonage ministériel fait en sorte qu'il y a moins de logements qui ont été bâtis que sous le gouvernement précédent. Ces arrêtés ne sont pas des recours pour permettre la construction de logements familiaux. Le gouvernement a décidé de retirer ses arrêtés, devrait arrêter ses mettre fin à ses arrêtés et aller sur une autre voie. Est-ce que le gouvernement va continuer à permettre à certains promoteurs de bâtir avec ses arrêtés lorsque ça plaît au gouvernement? Le ministre. Tous les arrêtés qui ont été établis ont été mis en place
En raison d'une demande du Conseil, Stephen Del Duca vous dira qu'il est contre les arrêtés de zonage ministériel, mais ce que vous entendez, c'est son plan qui est exactement comme le nôtre. En fait, Monsieur le Président, la députée de l'autre côté a mentionné les arrêtés de zonage ministériel. Elle ne mentionne pas plutôt ces arrêtés qui ont été adoptés par son ancien gouvernement. En 2006, à Markham, on a donné un arrêté pour un terrain de pratique de golf. En 2013, à Oakville, un arrêté pour encore un autre terrain de pratique de golf. Il faut bâtir le logement abordable, des soins de longue durée. On continuera à dire oui aux municipalités. Arrêtez la pendule. Start the clock. Redémarrer la pendule. Député de Peterborough-Quarter. Merci, Monsieur le Président. J'aimerais remercier la députée d'Ottawa-Vanier pour avoir établi la voie pour ma question. Et c'est une question au ministre des Affaires municipales et du Logement, Monsieur le Ministre, mais comme étant me pose des questions sur le marché immobilier constamment et la difficulté à pénétrer ce marché. Le gouvernement précédent n'a rien fait pendant 15 ans pour faire face à la crise du logement immobilier, mais pourtant, ils ont réglé le problème de la crise du Golfe. Les travailleurs de l'Ontario ont besoin de logements qui répondent à leurs besoins. Le ministre veut tenir un sommet sur l'abordabilité afin de discuter de cette question essentielle. Mais comme étant plusieurs Ontariens, seront très intéressés. Est-ce que le ministre peut nous dire ce qui se passera au cours des prochains mois pour s'attaquer au manque de stock de logements dans la province? Le ministre des Affaires municipales et du Logement, j'aimerais remercier le député de son excellent travail sur le dossier du logement dans sa circonscription. Il a raison, les politiques de notre gouvernement fonctionnent. Nous avons plus de réserves de logements abordables, mais il faut faire plus. Le député note que l'on invite les municipalités à la table de discussion afin de voir ce qu'on peut faire ensemble pour bâtir plus de logements et faire en sorte que le logement soit plus abordable partout en Ontario. La semaine dernière, j'ai été heureux d'annoncer que le 16 décembre, le premier ministre Ford et moi annoncerons un sommet provincial avec les maires de différentes villes de l'Ontario pour identifier les possibilités de collaborer alors qu'on continue à travailler de façon acharnée sur cette crise du logement. Notre objectif pour ce sommet, c'est d'avoir une compréhension complète de ce qui peut être fait afin de s'attaquer au problème d'abordabilité du logement et qu'on ait un nouvel engagement de la part du gouvernement. Complémentaire. Merci, Monsieur le Président. Je remercie le ministre de sa réponse. On sait que les politiques en logement de notre gouvernement est d'avoir plus de foyers, plus de choix. On travaille pour que le logement soit plus abordable en augmentant le logement. On a besoin de toutes ces options de logement, pas seulement une seule. Pour que d'être propriétaire soit plus abordable pour plus de personnes, il faut faire plus. Il faut que tout le monde mette la main à la pâte pour régler cette crise du logement. Est-ce que le ministre peut nous dire les outils qu'il fournit aux municipalités afin qu'elles puissent débloquer les réserves de logements nécessaires dans leur collectivité? Le ministre des Affaires municipales et du Logement. Encore une fois, j'aimerais remercier le député pour son excellente question. On a déjà entendu beaucoup de commentaires positifs des municipalités qui ont très hâte de rencontrer le premier ministre, ainsi que moi-même en décembre. Nous aurons aussi des conversations en janvier au cours de l'association de la conférence des associations de municipalités de l'Ontario. On a donné des outils aux municipalités. Ça inclut, entre autres, les redevances sur le logement.
Les municipalités doivent travailler avec nous afin qu'on augmente les réserves de toutes sortes de logements. Et j'ai très hâte d'être avec le premier ministre et nos partenaires municipaux alors qu'on parle de notre progrès pour qu'on puisse identifier de nouvelles possibilités de collaborer. C'est important. Il faut bâtir construire ce logement et le faire rapidement. Question. Député de Goma-Mintoulin. Question au premier ministre. L'hiver s'approche. Dans le nord de l'Ontario, on a dû fermer les autoroutes 17 et 11 récemment en raison des tombées de neige. Ça a pris plus de 20 heures avant qu'elles ouvrent. Dans certains cas, les résidents de Dubreuilville n'en revenaient pas de se faire dire que l'autoroute 17 était fermée de Sault-Sainte-Marie jusqu'à Terrence Bay en raison des conditions hivernales. Les fermetures d'autoroutes se produisent dans le nord, mais ce qui a frustré les gens de Dubreuilville, c'est que la fermeture de l'autoroute 17 n'a pas été annoncée sur l'autoroute 519. Donc, les gens se dirigeaient vers l'autoroute 17 pour réaliser finalement, une fois arrivés, que l'autoroute était fermée. On n'a pas de bon entretien des routes. Est-ce que le premier ministre admettra que ce gouvernement continue d'échouer auprès des Ontariens et s'engagera à améliorer l'entretien des routes en hiver dans le nord de l'Ontario? Député de Scarborough-Rouge Park. Je remercie le député de sa question. Nous tous ici dans cette chambre partageons l'objectif d'avoir des autoroutes sécuritaires et efficaces partout dans la province et tout particulièrement dans le nord de l'Ontario au cours des mois d'hiver où il y a plusieurs défis posés par les conditions météorologiques. Nous avons parmi les plus hautes normes au pays. Il y aura toujours des circonstances exceptionnelles. Notre exploitation de l'entretien des routes pour 2019-2020 avait excédé toutes les attentes, toutes les normes. 96% du temps, on a réussi à déblayer les routes en 12 heures après la tombée de la neige sur les autoroutes 17 et 11. On a un bon bilan sur l'autoroute 16 aussi. Intervention du président. Merci. Complémentaire, encore une fois, au premier ministre, de s'assurer que les autoroutes soient déblayées. Ce n'est pas une question d'être simplement convenable pour la population. Les mauvaises conditions routières peuvent empêcher les gens d'obtenir des biens, des marchandises, et peuvent aussi mener à des accidents mortels beaucoup trop souvent. La semaine dernière, dans ma circonscription, les gens appelaient mon bureau étant donné les mauvaises conditions routières et les fermetures de l'autoroute 17. Catherine Leclerc, par exemple, qui m'a dit que son retour de Thunder Bay à Wawa a été l'un des pires déplacements d'hiver qu'elle a jamais fait. Monsieur le Président, les gens ne peuvent pas attendre des jours après une tempête de neige pour utiliser l'autoroute. Est-ce que le premier ministre s'assurera que les gens du Nord sont en mesure de se déplacer de façon sécuritaire cet hiver en faisant en sorte que l'autoroute 17 et l'autoroute 11 soient des autoroutes de classe 1? Le député de Scarborough-Rouge Park. Nous avons 1100 équipements qui sont prêts à être déployés pour s'assurer qu'on déblaye les autoroutes, même lors des tempêtes. Nous avons augmenté aussi l'application proactive de produits chimiques pour faire fondre la neige. Monsieur le Président, dans le nord de l'Ontario, tout particulièrement ce qui a trait aux autoroutes 11 et 17, notre ministère a 14 différentes stations d'information, incluant tout au long de ces deux autoroutes. Au cours des dernières années, nous avons 20 nouveaux inspecteurs et coordonnateurs que nous avons engagés pour nous assurer que nos sous-traitants répondre aux normes les plus élevées. Encore une fois, nous allons nous assurer que les normes de déblaiement dans le Nord soient prêtes à se mettre à l'action lorsque nécessaire. Prochaine question, député de Chatham-Kent-Hamilton. Merci à la ministre de la Santé. L'an dernier,
Ma fille attendait son premier enfant. Les médecins lui avaient recommandé de ne pas se faire vacciner. À la Saint-Valentin, elle a donné naissance à Shayla, un beau bébé-fille. Quelques mois plus tard, les médecins ont dit que c'était bien de se faire vacciner lorsqu'on était enceinte. Des tests avaient été faits pour tester l'effet des mères et leur nouveau-né. Dans la région de Waterloo, il y a eu plusieurs mornings qui se sont produits entre janvier et juillet. C'est un mort-né à chaque 2 mois. Les mères de ces nouveaux-nés, de ces morts-nés étaient vaccinés, alors que vous dites que le vaccin est sécuritaire. Donc, que dites-vous aux médecins qui ont dit aux femmes qui attendaient un enfant de se faire vacciner? Et qu'est-ce qu'ils devraient dire aux mères qui donnent naissance à des morts-nés? La ministre de la Santé. Merci. Premièrement, félicitations pour la naissance de votre petite fille. C'est une excellente nouvelle, mais c'est aussi sécuritaire. Ça a été testé. On recommande que les femmes enceintes reçoivent le vaccin pour se protéger elles-mêmes et protéger leur bébé. Ça a été prouvé, accepté par Santé Canada et par l'Organisation mondiale de la santé, la FDA aux États-Unis. On veut s'assurer que tout le monde soit protégé. Ça a été recommandé pour les femmes enceintes de se faire vacciner pour leur protection, la protection de leurs êtres chers et de leur collectivité. Complémentaire. Merci à la ministre de nouveau. Écoutez, je ne m'excuserai pas de continuer à vous demander des questions sur les essais cliniques et les effets secondaires. Je vous posais des questions même lorsque j'étais dans votre groupe parlementaire. Maintenant, on entend parler de rapports d'un autre variant, Omicron, qui vient du sud de l'Afrique. Ne croyez-vous pas que ce soit ironique que, alors que seulement les doubles vaccinés peuvent prendre l'avion, que ce soit eux qui transmettent ce virus? Ma question à la ministre, c'est est-ce que vous planifiez un autre confinement pour prévenir ce variant? Est-ce qu'on aura ici un effet de déjà-vu? La ministre de la Santé, ce que je dirais, c'est qu'on ne sait pas encore, on n'a pas encore assez d'informations sur l'Omicron. Il y a beaucoup à apprendre. On ne sait même pas s'il vient vraiment de l'Afrique du Sud. On ne sait pas où il est, dans quel pays il est présent. On utilisera toutes les mesures nécessaires en travaillant avec le gouvernement fédéral pour nous assurer que les frontières soient fermées à 7 différents pays. Et on pourra peut-être ajouter d'autres pays puisque les cas qui se sont retrouvés au Canada provenaient en fait du Nigeria. Nous allons agir au fur et à mesure. Le Dr Moore a été très clair. On a le plan de réouverture de l'Ontario. Mais s'il y a une inquiétude majeure qui est présentée par ce variant, qu'il faudra réévaluer l'ouverture. On met en place toutes les mesures nécessaires pour faire les tests. Il y a des gens qui ont été identifiés comme ayant voyagé dans cette période. Nous allons faire le traçage, imposer des quarantaines si c'est nécessaire pour protéger la population ontarienne. Député de Niagara-Centre, nouvelle question. À la ministre de la Santé, nous avons une crise des services d'urgence à Niagara. Les membres de ce service expriment leur inquiétude. Ils n'ont pas assez de personnel. Ils sont surmenés alors que la demande des services d'urgence continue d'augmenter. Joe Benarski, président de syndicat, a dit, je cite, « Les patients appellent le 911 souvent et doivent attendre de longs délais avant que les services se présentent à leur porte parce qu'il y a un manque de services. Un comité a établi que la situation actuelle est critique. On fait rapport aussi que souvent, il n'y a pas assez d'ambulances pour faire une couverture des situations d'urgence dans toute la région de Niagara et d'avoir de bons délais de réponse. Est-ce que ce gouvernement appuiera les ambulanciers paramédicaux dans leur travail et s'engagera à engager plus de personnel, plus de répartiteurs, d'ambulanciers, afin que lorsque les gens de Niagara appellent le 911, ils obtiennent les services dans des délais raisonnables, ce qu'ils méritent? La ministre de la Santé,
Je remercie la députée de sa question. C'est une question très importante. C'est important que la population de l'Ontario reçoive un accès rapide à leurs soins avec les services ambulanciers. J'apprécie le travail des ambulanciers paramédicaux. Je sais que les ressources humaines sont sous pression actuellement. C'est la raison pour laquelle on a investi des centaines de millions de dollars dans la formation pour avoir plus d'infirmières praticiennes, des préposés de services de soutien à la personne ainsi que des ambulanciers paramédicaux. Plusieurs travaillent dans le réseau de la santé et dans le réseau des soins de longue durée pour s'assurer que les aînés qui sont dans un foyer soient appuyés lorsqu'ils attendent pour obtenir un espace dans un centre de soins de longue durée. On fournit ces services. Nous travaillons pour les intégrer avec le travail que nous faisons auprès d'autres services. Donc, le travail est en cours et nous allons nous assurer que tout le monde, incluant les gens à Niagara, reçoivent les services nécessaires de façon appropriée. Question complémentaire. Dans les 7 derniers mois, 350 patients à Niagara ont été laissés de côté pendant 46 heures parce qu'il n'y avait pas assez de services. 53 personnes ont passé des heures sur des civières parce qu'il n'y a pas assez de lits d'hôpitaux. Les gens de cette province se retrouvent sur la civière et ce gouvernement, entre-temps, dépense près d'un demi-million de dollars de moins. Un demi-milliard de dollars sur le réseau de la santé que planifié. Le premier ministre doit expliquer à la population du Niagara la raison pour laquelle il ne dépense pas assez d'argent sur le réseau de la santé alors que leurs membres de la famille sont coincés sur des civières. Est-ce que le gouvernement va agir pour régler la crise du 911 chez nous? La ministre, je crois que j'ai répondu la première partie de votre question dans ma première réponse, mais c'est important aussi de se concentrer sur la situation actuelle réelle dans ce qui a trop aux dépenses. On a annoncé au cours de l'énoncé économique d'automne 5,1 milliards de dollars de plus en investissement cette année, attribués 5,2 millions aussi l'an prochain pour le Fonds de lutte contre la COVID. Le directeur de la responsabilité financière, et c'est la personne à qui je crois vous faites référence, a dit que les dépenses sont présentes, alors que la dépense ne s'est pas nécessairement produite. Une grande partie de cette dépense se produit maintenant et seront enregistrées plus tard parce que les chiffres au moment du rapport ne représentent pas nécessairement le plan complet. Ce que je peux dire, c'est que le 974 millions de moins sera dépensé alors qu'on approchera la fin de l'exercice financier. Merci. Prochaine question. Député d'Ottawa-Sud, merci, M. le Président. Au premier ministre, les familles dépendent du gouvernement. Veulent que le gouvernement soit prêt, tout particulièrement maintenant. Et les 3 jours de congés payés prendront fin à la fin de l'année. On sait que les familles ont besoin de ces congés maladie pour rester à la maison lorsqu'ils sont malades, lorsqu'ils ont besoin du vaccin ou lorsqu'ils ont besoin de faire vacciner leurs propres enfants. La Colombie-Britannique a fait en sorte que les congés maladie payés sont permanents pour les travailleurs. Monsieur le Président, on n'est pas encore sorti de l'auberge en ce qui a trait à cette pandémie. Et on ne devrait pas toujours avoir à lutter pour obtenir ce qui est nécessaire pour la population. Est-ce que le premier ministre fera ce qui est approprié et fera en sorte que les congés maladie payés deviennent permanents en adoptant le projet de loi 7 aujourd'hui? La réponse, le leader parlementaire du gouvernement. Monsieur le Président, la raison pour laquelle nous n'avons pas appuyé les projets de loi qui ont été déposés par l'opposition libérale et leur chef, le député d'Ilduka, c'est que ça affectait les créateurs d'emplois à une époque où ils avaient déjà des problèmes en raison de la pandémie de COVID. Nous avons décidé d'entreprendre une voie différente. Nous avons un programme fédéral qui offrait 23 jours de congés maladie payés pour les travailleurs. On a été encore plus loin. Nous avons mise en place 3 jours de plus pour nos travailleurs et ces journées permettaient à nos travailleurs de se faire vacciner, pouvaient rester à la maison avec un être cher qui est atteint de la COVID. Vraiment, ces congés pouvaient être utilisés pour différentes raisons.
On s'est assuré qu'on soit la première province à protéger tous les travailleurs lorsqu'on parlait de la sécurité d'emploi au cours de la crise de la COVID. Merci. Complémentaire. Merci. Et si le ministre avait lu le projet de loi 7, il saurait que ses commentaires sont incorrects. Puisque la vaccination des 5 à 11 ans a commencé, on a vu une augmentation dans les manifestations anti-vaccins dirigées envers nos enfants. Les enfants et les familles de Windsor, North Bay, Ottawa et Barrie ont été intimidés alors qu'ils essayaient de se faire vacciner et nos travailleurs de première ligne continuent de se faire harceler alors que ces travailleurs n'essaient que de faire leur emploi. La réponse du gouvernement, ça a été de ne rien faire. Absolument rien. Le gouvernement veut toujours que quelqu'un d'autre agisse. C'est un échec de leadership et ça laisse tomber nos familles, nos enfants et nos travailleurs de la santé. Est-ce que le premier ministre va agir en adoptant le projet de loi 2 ou est-ce qu'il déposera son propre projet de loi pour créer des zones tampons de protection pour autour des sites de vaccination pour protéger tous ceux qui ont affaire là? Le leader parlementaire du gouvernement. Le député sera parce qu'il a été au gouvernement pendant plusieurs années. Il a été au gouvernement pendant 15 ans. Il sait qu'il y a des ressources et des outils en place déjà pour protéger les gens, tout particulièrement ceux qui, actuellement, veulent se faire vacciner pour leur sécurité. Mais dans sa question, il imagine que le projet de loi a changé. Eh bien, c'est surprenant. Les libéraux ont changé d'avis. Ils font encore une fois une volte-face. On parle du gouvernement qui apporte des congés maladie payés. Je dois rappeler aux députés qu'il avait 5 110 jours pour déposer des congés de maladie payés lorsqu'il était député. C'est 1 110 jours pour apporter 3 congés maladie payés. Nous l'avons fait avec un programme d'un million de dollars. On n'a pas envoyé le fardeau sur les épaules des PME, nous nous sommes assurés que nos créateurs et nos travailleurs de la santé soient protégés. Ça ne nous a pas pris 5 000 jours, ça nous en a pris beaucoup moins. C'est tout le temps qu'on avait pour la période de questions. Aujourd'hui, on a un vote différé sur la motion de clôture, sur la motion portant troisième lecture du projet de loi 27, loi modifiant diverses lois en ce qui concerne l'emploi, le travail et d'autres questions. Le 25 novembre, M. McNaughton a proposé la deuxième lecture du projet de loi 27. Le 29 novembre, M. Cusetto a proposé de mettre au voie la question. La sonnerie retentira pendant 30 minutes pour que l'Assemblée puisse voter sur la motion de M. Cusetto de mettre fin au débat. Je demande aux greffiers de préparer les lobbies.